son agresseur, un homme d'une cinquantaine d'années, apparemment sans histoire, n'aurait pas de motif. Il aurait fait preuve d'un acharnement invraisemblable sur sa victime, d'après les constatations médico-légales. Il m'avait provoqué, mais j'ai pété les plombs, c'est allé trop loin, a déclaré l'agresseur. Ce dernier semblait désorienté et... S'il sort le pognon, t'as pas les sous. Tu veux parler toi? T'as pas les sous? Tu veux l'acheter maintenant, t'as une niaque. C'est quelque chose de sous. Allez, va avec toi, t'es pas plus bien sûr. L'histoire a bouleversé la Suisse. Le 16 mars, Cathy et John Matta arrivent trop tard à l'aéroport de Bali pour embarquer sur le vol qui devait les ramener à Genève. Lorsqu'ils embarquent sur le vol suivant, ils ne savent pas encore qu'ils sont des miraculés. Le couple ne découvre qu'à son arrivée que l'avion sur lequel il aurait dû voyager a disparu dans l'Atlantique. Mais le sort rattrape les Matta, ils sont victimes d'un accident de la route alors qu'ils rentrent de l'aéroport. Sans être inquiété. Comme beaucoup d'autres entreprises, Valerio a annoncé un résultat net exceptionnel en hausse de 127% à 593 millions d'euros. Jusque-là, rien à dire. Sauf lorsque le patron de Valerio, Joël Cougnard, explique son concilé que le groupe a licencié 6 personnes. Il appelle ça rationaliser. En clair, top. Aujourd'hui sur la région parisienne avec des averses en fin de journée. On ne prévoit pas d'amélioration pour demain. Et maintenant, les prévisions boursières de Yannick. Hier, en début de soirée à Saint-Ouen, un jeune homme a été battu à mort en pleine rue. Son agresseur, un homme de 50 ans, a fait preuve d'un acharnement invraisemblable sur sa victime, d'après les constatations médico-légales.
Un homme a été battu. Un homme apparemment sans histoire n'aurait pas de motif. Ouais, on dit ça, on dit ça.